Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch qui est certes vraiment très inutile, mais qui va pouvoir changer le cours de votre existence. Je dis bien le cours de votre existence et le cours de l'existence de vos amis, étant donné que ce glitch vous permettra tout simplement de les faire chier. C'est-à-dire que vos potes vont tout simplement se retrouver près d'une voiture et ils seront carrément et complètement bloqués. Ils ne pourront plus bouger, ils pourront absolument rien faire, donc c'est vraiment très très drôle. Donc ce glitch marche qu'avec l'appart à 400 000, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. On avait essayé de trouver un truc de duplication avec Venture, mais on n'avait pas trouvé. Je remercie aussi Tuto Facile France de nous avoir aidé pour ce glitch à trouver quelque chose, mais ça n'a rien donné. Donc pour cela, vous allez tout simplement vous mettre à côté du panneau Dynasty. Vous allez demander à un de vos amis qu'il rentre dans votre voiture, et en même temps qu'il rentre dans la voiture, vous allez tout simplement lui demander de faire flèche de droite. Bah vous allez faire flèche de droite, étant donné que c'est la personne qui conduit, qui va rentrer dans son garage, qui va être bloqué. Donc vous le voyez bien sur mon écran, je ne peux absolument rien faire. Vous inquiétez pas, je vous montrerai la manipulation dans l'autre sens après, comme ça il n'y aura aucun souci d'incompréhension. Et comme vous le voyez, je ne peux absolument rien faire. Je peux pas vous... Pardon, je peux pas bouger. Mon personnage tente désespérément d'ouvrir la portière. Et si j'appuie sur le bouton du marché Xbox Game, ça me ramène au middle du garage. Et après, bah, ça me ramène directement par la voiture. Mon personnage est obsédé par la voiture. Après, si vous voulez troller vos amis, vous leur dites de ne surtout pas faire marché Xbox Game, donc qui est la solution au glitch pour le quitter. Vous leur dites tout simplement de faire une petite manipulation, histoire que ce soit vraiment très très drôle, histoire qu'ils puissent se faire s'emmerder, par exemple redémarrer GTA 5, étant donné que le chargement est long. C'est vraiment un petit glitch pour troller vos amis. Moi, après, pour ceux qui voudraient sortir de ce glitch, c'est très simple, hein, vous faites marcher Xbox Game, il n'y a aucun souci, ne vous en faites pas. Moi, je vais montrer la manipulation dans l'autre sens pour vous montrer que c'est vraiment super simple et c'est vraiment un petit glitch assez marrant, surtout quand votre pote prend la voiture qui se situe le plus loin dans son garage. Moi, j'avais pris la Caméléon qui n'était pas très très loin, mais quand la voiture est très très loin, vous allez voir que votre personnage va vraiment être obsédé par la portière, il va même faire des cabrioles. Vous allez voir à la fin de la vidéo ce que le personnage de Venture a fait, c'était vraiment très what the fuck et même très très drôle. Donc là on va sortir du garage. Voilà, on va sortir du garage, ça c'est long. En attendant que je sorte du garage, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur Twitter. Donc vous voyez un peu mon petit logo en bas à gauche, hein, donc vous me followez. Avec la Monsieur Virtuos tout simplement. Donc vous allez vous placer à côté du panneau Dynasty. Vous faites Y plus flèche de droite ou triangle plus flèche de droite. Vous allez avoir le menu des appartements. Et à ce moment là vous demandez tout simplement à votre pote qu'il rentre dans le garage. Donc il rentre dans votre garage. Vous allez vous retrouver dans votre garage avec sa voiture. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, vous n'allez pas perdre de voiture, il n'y a aucun souci. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à accepter sa demande dans son garage pour le voir faire des cabrioles assez what the fuck. Là, vous allez voir que Ranger est tout simplement en train de toucher la portière en illimité. Il est bloqué, il peut vraiment rien faire. Et du coup, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit glitch troll vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait vraiment très très plaisir. Vous allez voir en fin de vidéo que les cabrioles que Venger va faire. Et nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.